Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de MaTV, votre chaîne de référence, la chaîne qui se réfère toujours de vos préférences. Aujourd'hui c'est samedi, il est 10h et c'est l'heure de votre rétrospective de la semaine. Pour les faits marquants de la semaine, nous la démarrons par celle-ci de pêcheurs originaires de Mbou retrouvés morts après les trois pêcheurs de Tiaroy-Mer disparus en mer la semaine dernière au large d'Angor. Deux autres pêcheurs originaires de Mbou ont été retrouvés morts au large de Differ, Malik Khan, âgé d'une cinquantaine d'années, et son fils Makan, la quinzaine, étaient partis en mer au moment où un vent fort soufflait. Depuis lors, il n'y avait plus eu aucune nouvelle d'eux et de leur pirogue inquiète les habitants du quartier Golfe, dont la commune de Mbour se sont mobilisés pour aller à leur recherche, selon le témoin qui donne la triste nouvelle de sa apparition de ce mardi. Après deux jours de patrouille en mer, leurs corps sans vie ont été retrouvés. Parlons tout à fait d'autre chose. Sabadola, la société qui exploite l'or de Sabadola, a été prise par la douane en flagrant délit de fraude. D'après Libération, la société a été épinglée pour nos repatriements des recettes tirées des exportations d'or. ESGO, qui a reconnu l'infraction, a transigné à hauteur de 500 millions de francs CFA sous réserve de sa validation par l'autorité de tutelle. Et puis les éléments du commissariat de police urbaine de Diamagene n'ont pas mis du temps pour mettre la main sur trois individus présumés meurtriers d'Omar Gomis à Mbour dans la nuit du samedi au dimanche. La victime rapporte l'AS dont sa parution du jour est un jeune lutteur âgé de 22 ans. Il a été sauvagement agressé par des jeunes qui avaient bien prémédité leurs actes. Le père de la victime est Pierre Bakane Gomis, un syndicaliste et membre du syndicat national des transporteurs routiers affilié à la CNTS. Et puis parlons tout à fait d'autres choses. Selon Réunion Quotidien, 37 corps sans vie ont été inhumés dimanche au cimetière de Yoff. Ces dépouilles non identifiées ont été enterrées dans des fosses communes. Il s'agit pour la plupart des corps non identifiés parce que leurs noms sont inconnus ou parce que leurs familles ne se sont jamais présentées pour les récupérer. Et puis nous bouclons par celle-ci. Un grand dealer est tombé dans les filets du groupement polyvalent des recherches et de répression de la fraude de la douane. Selon des informations glanées par le journal LAS, le dispositif de surveillance du territoire national mis en place par les Glambellous reste efficace et couronné de succès. Basé à Thiès, le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude a effectué, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, des opérations coup de poing au niveau de la petite côte. Les douaniers ont ainsi pu saisir 774 kg de cannabis transporté par voie maritime et débarqué nuitamment. C'est tout pour les actualités de la semaine. Merci de nous avoir suivis et restez toujours avec les programmes de MaTV.